La femme qui hier se distinguait par son authenticité et son naturellement belle semble subir de plus en plus l'influence d'une mondialisation ravageuse avec son lot d'artifices et de fantaisies agissant au nom du modernisme. Pour la femme, le naturel a été chassé pour faire place à une beauté créée de toutes pièces. Les cheveux naturels, qui hier soulignaient l'origine et la fierté africaine de par leur caractère crépus, sont dissimulés volontairement sous des coiffures type extension, tissage et autres perruques conçues au modèle de la chevelure occidentale. Nouvelle tendance à laquelle ne semble pouvoir échapper la Panténégrine. Moi j'aime tresser les mèches parce que j'ai pas assez de cheveux. Et voilà pourquoi j'ai fait les mèches. Parce que je trouve que si on me tresse avec les mains, bon, je vois que c'est pas, je m'embellis pas quoi, ça me rend pas trop belle. Donc je préfère tresser les mèches. Si les mèches, en tout cas, ça coupe encore de plus en plus les cheveux. Les conseils que je vais donner aux femmes, c'est d'arrêter avec les mèches. Même moi-même aussi, je vais arrêter. Oui, je préfère être naturelle, c'est mieux. Les hommes, pour leur part, ne semblent pas dérangés par ces coiffures esthétiques dépourvues de naturel. Surtout qu'il faut l'avouer, elles apportent une touche de sophistication. Les deux sont bons, que ce soit naturel ou le tissage. Moi, je peux dire que c'est bon. Pourquoi ? Il y a des femmes qui n'ont pas vraiment de belles cheveux tellement. Donc, elle est obligée de mettre le tissage pour s'embellir. Moi, je trouve ça que quand même, ça va. Le dé, ça peut marcher. Mais pas avec le tissage bien, bizarre, là. Le tissage long, non, non. Avec le tissage court, c'est bon. Synthétiques ou vrais cheveux, les coiffures artificielles et commercialisées sont un atout esthétique pour la femme et à n'en point douter, une bonne affaire pour les commerçants de beauté. Si elles contribuent à embellir la femme, les coiffures artificielles sont particulièrement coûteuses en comparaison des tresses et autres coiffures dites naturelles et pourvues d'authenticité.